Chrono? Chrono? Réveille-toi! Tu comptes dormir toute la journée? Debout, tu vas arriver en retard au travail. Ah, le timbre de la cloche de Lynn est si agréable. Chrono, on ne peut plus vivre au crochet de mon père, alors tu dois travailler. Chrono! Chrono x8. Chrono, être réveillé? Ayla! Ayla, vouloir voir Chrono. Ayla, aller sur Montagne Étrange et trouver Chrono avec Amy, blessé. Ayla, transporter Chrono et Amy ici. Magus. Grosse grenouille. Cadeau pour Ayla? Miam miam. Idiote, dis-moi plutôt si tu as aperçu un homme au visage pâle portant une cape. Non, juste Chrono et Amy. Visage pâle, être meilleur que grenouille? Il s'est donc enfui. Enfui. Enfoui, c'est autre chose. Mais si Magus n'a pas créé Lavos, d'où vient-il? Mais il a dit des entrailles de la terre. Lavos, pas important. Chrono et Amy être blessés, se reposer. Il s'est retrouvé dans une réalité alternative, Mona. Où il a passé la bague au doigt à Marle. Chrono et Amy allaient mieux. Ayla être parti chercher tribu de l'Aruba. Yoka et l'Aruba combattre Saurien ensemble. Si Yoka et l'Aruba pas détruire Saurien, Saurien détruire Yoka et l'Aruba. C'est logique. Kino! Quoi? Chrono et Amy se reposer, pas faire de bruit. Feu, feu, forêt du Nord brûlée. Ah oh bah zut, alors si forêt du Nord brûlée, nous devoir aller là-bas. Donc pour ceux qui la chercheraient éventuellement, la zone de chasse en fait, elle était juste ici. Le terrain de chasse. Donc c'est là où on trouve le monstre rare, tout ça, tout ça. Tiens, je l'avais pas vu ça. C'est ici que ça brûle? Saurien enlever Kino. Si combattre, Saurien éliminé. Terrible, terrible. Saurien suivre Ayla. Ayla porter malheur. Habitant de la Rouba résister, alors Saurien éliminé. Vous tenir tato Saurien, alors Saurien être en colère. Ayla, village brûlé à cause de Ayla. Saurien suivre Ayla, maintenant village être en ruine. Ayla être désolé, Ayla pas faire attention. Opposer Saurien être stupide, Saurien vivre ici beaucoup plus longtemps que l'Aruba, alors l'Aruba se cacher. Mais Ayla vouloir combattre ensemble, maintenant village être brûlé. Ayla vouloir encore combattre? Si Ayla vivante, Ayla se battre. Vainqueur vivre, perdant mourir, loi du plus fort, Saurien est humain, obéir à loi du plus fort. Si tribu de l'Aruba se cacher, pas mourir, mais pas vivre non plus. Ayla être forte, alors pouvoir combattre. Tribu de l'Aruba, pas être forte. Ça me fait délirer ces dialogues. Non, Ayla pas combattre parce qu'être forte. Ayla devenir forte parce que combattre. J'en peux plus en fait. Tribu d'Ioka et des tribus de l'Aruba, mais besoin de Pteranodon. Prêtez Pteranodon à Ayla. Pteranodon? Ayla vouloir aller au Fort Tyrannos? Fort Tyrannos être repère des Sauriens, dangereux! Ayla vouloir mourir? Non, Ayla vouloir vivre. Alors aller au Fort Tyrannos, Ayla pas mourir. Prêtez Pteranodon? D'accord, ancien avertir gardien des Pteranodons. Ayla aller au nid des Pteranodons, Ayla être prudente. Ancien aider beaucoup. Vous prendre soin de Ayla. Oui. Il m'a pas dit toi d'accord avec moi, oui non.
Alors le nid des pteranodons, bah, c'était par là normalement. J'y avais mis un petit peu les pieds. Ah oui, j'avais oublié ça, tiens. Toxique volé, peut-être bien toxique volé, effectivement. Comment je suis en objet? Ouais, ça va. J'utilise beaucoup de potions quand même, mais c'est pour ménager les PM. Ça marche bien. Ah, du coup, je sais pas s'il y a de nouveaux objets à échanger. Bon, c'est pas grave, on fera 100 pour le moment. De toute façon, je dois pas avoir énormément de choses à troquer, puisque j'avais tout utilisé justement. C'est là qu'on voit que la stat rapidité elle agit bien. Parce que j'attaque d'abord avec Marl, après Chrono, et malgré ça Chrono peut réattaquer avant. On la voit la barre de toute façon monter beaucoup plus vite. Hein. J'en suis où les skills hein. Attaquer un ennemi 4 fois de suite. Interesting. À 14, je vais le débloquer. Assez loin. Ah, je me suis gouré. Ça va. Et ben voilà, duo paratonnerre. Trio croix de glace. Ah, est-ce que ce serait pas une compétence à 3? Bah si. Et ça coûte que... 8 quand même pour Marl. Coup foudroyant plus glace 2 plus estocade en piqué. Pas mal. Première compétence à 3. Thank you.
Chrono. Tu ne peux pas y aller sans nous. Fort Tyrannos être très dangereux, tout le monde mourir. C'est justement pourquoi on ne peut pas te laisser y aller seul. Tu nous as beaucoup aidés, alors on te rendra l'appareil. N'est-ce pas, Chrono? Vous êtes bons amis. Allons-y, Ayla. En route pour le Fort Tyrannos. Cool. Alors du coup, je dois la prendre avec moi. Est-ce que je garde Marle malgré tout? Je suis pas sûr que le soin de Glenn va suffire. Je prends le risque. C'est quoi cette étoile rouge là? Je peux me poser partout avec ça là? Mais oui, c'est trop bien. C'est les vaisseaux. Du coup, je vais regarder au magasin. C'est pas celui-là. Toi vouloir voler avec Pteranodon? C'est quoi ça? Voir étoile rouge dans le ciel. Même quand faire soleil. Étoile rouge brillait fort, mauvais signe. Ouais, c'est quoi cette étoile rouge d'abord? Ah, il y a de nouveaux trucs. Sabre antique. Croc et corne. La veste de rubis, je crois que ça n'a pas changé, armée de pierre non plus. Donc croc et corne. Putain, j'en ai pile 3. Hein. Ouais, c'est pas négligeable quand même. Hein. Bon, je perds mon petit rapidité plus 2, mais putain, plus 15 en puissance, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, pistolet onirique. Pour le moment, on va dire que je peux passer à côté. Pétale et crocs, pétale et plumes, ça je peux les avoir. Non. Je me suis gouré, du coup, hop. Alors, elle aussi, elle aurait bien besoin d'un petit update, hein. Je peux peut-être lui laisser la veste de rubis. Faut voir quelle est la zone, si c'est du feu.
Sinon, je peux peut-être lui mettre ça, ouais. Pour le moment, je mets ça. Force plus 4. C'est trop bien, ça. Bon, de toute façon... Comment s'appelle-t-elle, déjà? Marle. Marle, elle a pas vraiment besoin d'un meilleur arc. Elle tape pas tant que ça, elle balance de la magie, surtout. Ouais, c'est une zone de feu. C'est bien d'avoir des trucs, quand même. Pour y résister. Je regarde quand même s'il y a autre chose par là. Ce sera certainement le cas, à mon avis. Bah, rien qu'ici déjà. Berceau de la lumière. Effectivement, il y a de la lumière. Sûrement pour plus tard. Bon, il n'y a rien apparemment. En tout cas, rien de flagrant. Je regardais un truc, mais je trouve pas. Carrément. Ah, c'est vrai qu'elle a un soin aussi, Ayla. C'est peut-être pas le meilleur des soins, mais bon. Elle en a quand même un. Combien qui rend ouais, je peux pas voir comme ça, il faudrait que je le fasse en plein combat. Ça va, 150, c'est bien. J'aurai plus de DPS a priori, donc les combats seront plus courts. Je dis a priori parce que Marle, elle a quand même sa magie. Qui parfois est très très bien. Voilà, calmez-vous là. Oh, elle crève la faim, quoi. Nous allons préparer un festin, et tu seras le plat principal. Des primates! Hop là. Ils se sont bien paquets, c'est parfait. J'arrive pas à me mettre en face. Ayla! Kino reculait. Ayla sauvé Kino.
J'allais dire pourquoi ils montent pas. Désolé, il a faute de Kino. Pas grave, Kino s'enfuit avec Tribu de l'Aruba. Et il a à faire quoi? Suivre loi du plus fort, finir conflit. Kino allait avec Ayla. Kino pas venir, si Ayla perdre, Kino devenir chef d'Ioka. Ayla. Ayla balèze, hein. Ayla être forte, pas perdre. Kino comprendre, Kino montrer quelque chose à Ayla. D'accord, c'était un coffre. Vous être fort, Kino être faible, Kino être jaloux. Gare pas là, gare pas voir Ayla. Oui, c'est vrai. Il a raté une occasion de se rincer les yeux. Ça m'a tout l'air d'être un piège, l'espèce de bouton au sol là. Oui, pas pour moi en fait. Il a tapé son pote. Oh nice, 17 PC je crois. J'ai eu le temps de voir très rapidement. Évidemment on va pas les faire tomber. On veut l'XP. Qu'est-ce que t'as, râleuse? Il arrive en retard, lui. Ça dégage. Ah mais non, j'avais pas tout compris, là. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre à droite avant. Je vais regarder vite fait dans la pièce qu'il y a. Ils sont intéressants ces combats.
C'est quoi ce délire là? Comment je le récupère celui-là du coup? En plus, je vois rien sur le sol qui me téléporte là. Il y a forcément un machin. Un tout petit passage là. Il a pas l'air, hein. Je vais regarder à droite ce qu'il y avait. Ah, mais ils sont vraiment stupides. Mais... Ouais, le heal de Glenn il est correct, mais c'est pas non plus la folie. Sur un boss ça va pas suffire, faudra que je double en fait. Ah non. Thank you.
Je vais essayer d'ouvrir celui de gauche. Bonne nuit, Nataru. Oh nice. Ça monte bien ici. Il a peut-être un duo avec son heal grâce là. Pour en améliorer les effets. Où je regarde. Ça se trouve, j'ai déjà débloqué un truc. Restaurer les PV et l'état des alliés. Donc déjà, ça c'est pas mal. Faudra que je teste. Il y a des boss où ça doit être vraiment utile. Bon, du coup, celui-ci, je sais pas comment le récupérer. Faut peut-être que je tombe par le dessus. Sinon j'y reviendrai plus tard. Il y a des coffres aussi que j'avais pas pu ramasser dans la grotte des sauriens. Décidément. Ah, je viens de comprendre comment ça marchait ces machins. En fait, quand tu les tapes, ça envoie les dégâts sur les autres ennemis. Du coup, c'est pour ça que eux aussi les tapent. C'est bon, quand je branche mon cerveau, je comprends. Catapultage. Lancer violemment un ennemi dans les airs. Séduire un ennemi pour obtenir un objet. Ça me plaît ça. Alors ça. 480. Pas mal.
Effectivement, Az. M'attendais pas à ça en fait. Des fois t'as 90 vues sur les rediffs en fin de live. Parce qu'en fait il y en a qui viennent et qui repartent direct. Alors ça a dû ouvrir le portail. Effectivement. Après t'as toujours des gens qui aiment bien regarder dans le silence entre guillemets. Chacun y trouve son compte. Oui, il y en a, comme tu dis. J'avoue, dans les autres lives, je parle pas. Ouais, il y en a qui parlent pas du tout, qui ont pas envie d'écrire. Qui ont juste envie de regarder, en fait. Enfin, de suivre le let's play, en fait. D'ailleurs, les vieilles séries comme ça, généralement, elles marchent bien sur la chaîne. Quand je dis elles marchent bien, évidemment, c'est pas dans le sens où, ouais, je me fais des thunes et tout derrière. C'est juste qu'elles ont plus de vues que les séries, on va dire, récentes. Tout simplement parce que les séries récentes, quand j'en fais, bah, tout le monde les fait, en fait. Et j'ai pas de plus-value à les faire, personnellement. Puisqu'on peut pas dire que je sois quelqu'un qui, comment dire, qui soit aisé dans le divertissement, ce genre de truc. C'est pas mon métier, ni... Oula. Il y en a qui aiment bien suivre ce genre de vieilles séries parce que généralement quand je les fais elles sont complètes. Il y a effectivement quelques rares séries que je n'ai pas bouclées, faute de temps généralement. Mais les jeux comme ça, c'est un vrai régal. Ah, c'est Nisbel, c'est vrai. Si vous cherchez Azara, il est un peu plus loin. Oui, et donc ? Ok, d'accord. Et c'est tout, il me tombe pas sur la gueule, lui. Dans les lives avec trop de monde, le chat est illisible. Ouais, puis les streamers, ils peuvent plus prendre le temps de discuter avec les viewers, quoi, généralement. Ou alors, quand ils sont sur Twitch, ils se mettent dans la catégorie discussion, quoi. Un instant. Vous devrez d'abord me vaincre pour l'atteindre. Alors, c'est là qu'on va voir si ça va passer correctement. C'est pas mal ça, putain, 700. Attends, c'est plus efficace que ce machin. Évidemment, je vais faire que ça. En même temps, ça coûte 8 quand même. Hein. Je vais pas pouvoir en faire 50 000. Je vais essayer l'attaque à 3 quand même. Ah, sympa celle-là. J'aurais lui plante l'épée pour faire la paratonnerre. Je vais défoncer sa défense.
semblerait-il. Bon, peut-être que je heal quand même, parce que voilà quoi. Ça fait pas du tout mal là. Tout à l'heure j'ai fait un petit 800. Qu'est-ce que j'ai loupé hein? Je fais plus rien du tout là. Faut que je fasse de la magie je pense. Allez, on va essayer le truc à 3 là. Tel quel. Rage électrique? Non. Mordre et foudroyer un ennemi. Il y en a pas avec 3 là. C'était pas avec eux peut-être, je me suis loupé. Non, c'est pas avec eux. Autant pour moi. Pas sûr de comprendre là, je lui balance de l'électricité, il est censé être affaibli. Parce que en plus je me suis déjà battu avec lui. Donc théoriquement je devrais lui faire assez mal. Ben voilà, ça c'était bien. Bon, en gros, je fais une attaque électrique et après je balance ce machin. Ça me paraît bien. Faut juste que je fasse gaffe à son sort quand il est chargé. Ah, j'ai fait quoi là? Ah, c'était un autre combo, c'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait là. Mais je croyais qu'il m'avait renvoyé la magie de foudre, mais non. Non, non, c'est juste que le combo il est différent. Là, j'attends justement, hop. Voilà, c'était ça, mordre et foudroyer un ennemi. Je m'attendais pas à ça en fait. En fait, ça va, Glenn, il tient la route là pour il. Sur ce type d'ennemi en tout cas. Faut juste que je heal très souvent. Ça me permet d'attaquer comme un bœuf avec les deux autres. Alors que quand je prends Marl, je suis obligé de faire des combos avec deux personnages pour elle. Donc au final, je m'y retrouve. Ah, c'est passé crème, hein, comme dirent les jeunes. Tu viens de dire bonjour, toi, ou pas? Profitons-en. Hein.
Faudra voir parce que lui c'était en quelque sorte le demi-boss. Le prochain il sera peut-être un petit peu plus compliqué avec celui-là. Allez, niveau 30. Nouveau palier. Je pense que la fin du jeu on l'atteint vers le niveau 50. Oula, il y a des Bitonio partout. Je pensais que c'était un piège, ça. C'est étonnant, ils mettent deux points de sauvegarde assez proches l'un de l'autre. Bon. Un autre level du soin de Glenn, je crois, plus tard. Ah, ce serait pas mal, effectivement. Mais je pense effectivement qu'il en aura un. Je vois mal comment on pourrait le garder comme ça jusqu'au bout. Jamais 203. Je sais pas si je peux voir. Ah bah là j'ai ça qui bloque. C'est tous les trois skills apparemment. Là il y a Slurp, après il y a Grass et je pense qu'il y en aura un autre. Mais après du coup. On va voir. Alors vous êtes venus, le moment de notre dernière bataille est enfin arrivé. Nous devrons déterminer qui de nous, saurien ou primate, survivra. Loi du plus fort décidée, et là juste combattre. Avez-vous entendu ce rugissement? Vous pourrez l'entendre avant que vous le autant que vous le voudrez. Il a encore appelé un pote. Attends. Ah mais je suis en train de me gourer depuis tout à l'heure. Armé osseux, c'est ça. Ah les musiques sont trop bien. Oh, il est gros lui un peu quand même. Étoile rouge de malheur, écrase-toi et enveloppe cette terre de ton éclat écarlate. Même si l'extinction est notre destin, nous ne ferons jamais place aux primates. Ce tyrannosaure va vous faire disparaître à jamais de l'histoire. C'est un tyrannosaure? Ça ressemble pas à ça d'habitude. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de perso pour buffer. C'est vrai que c'est quelque peu embêtant en fait. Merde, j'ai pas vu ce que je lui ai fait. Pas beaucoup, apparemment. Faut peut-être que je vise l'autre en fait. Tout bêtement. Bah tiens.
Je vais le laisser, lui. Au cas où il doit balancer un petit soin, voilà. Putain, il fait vraiment pas mal, hein. Mords-lui l'œil. C'est sûr que là, Marle, je pense qu'elle aurait été un peu plus adaptée, ne serait-ce que pour mettre les boucliers et tout ça. Mais bon, on va faire sans, hein. Il faut bien. Allez, une petite attaque quand même. Voilà, lui c'est la magie hein, sur lui. Pas la peine de faire autrement. Pour le moment il a qu'une attaque dangereuse, c'est son espèce de... d'attaque de croc là, je sais pas quoi. Oula, c'est quoi ça? J'aime pas trop ça. Je crains même le pire. Pour bientôt. Je sais pas si j'ai bien fait de passer sur lui, j'aurais peut-être pas dû. Ça va, je craignais Pierre, mais... Non, en fait, ça va. Je pensais qu'il allait me faire une attaque genre à... à 50 sur tout le monde, là. 500 sur tout le monde. Ah, ça y est, il est mouru. Sale pas beau, va. Ouais, il faisait pas très mal, mais c'est toujours bien d'avoir une cible en moins. Mais au moins, ça permet de voir que même avec ce heal, ça passe... plutôt pas mal en fait. Lever les défenses. Ah, c'est ça que j'avais pas vu tout à l'heure.
vrai, il va peut-être crever. Hein. Puisque je lui ai mis sur le tour précédent. Je devrais même faire un combo là. Genre ça. Ah oui. Le ciel aurait-il choisi les primates? Écoutez-moi et transmettez mes paroles. Les sauriens ont défié leur destin et ont péri la tête haute. D'accord. D'abord, le grand rocher enflammé va tomber du ciel. La boule de feu ardente réduira tout en cendres. Un jour, la terre brûlée refroidira, annonçant la venue d'une longue période où tout sera gelé. On ne pouvait rêver mieux pour marquer la fin de notre ère. La Vos. Mot ancien de Ayla, là être feu, vaut être grand. Ayla! Kino! Vite, la Vos s'écrasait. Tous sur Pteranodon. Kino, vite! Ayla! Ayla, faire quoi? Azara, venir, vite! Non, la loi du plus fort a décidé. Ayla, vite! Azara! Ayla, pas oublié. Le futur. Futur? Futur quoi? Le futur vous appartient. Alors Magus ne l'a pas créé, il est tombé du ciel à une époque très lointaine. La Vos être très gros. Chrono et Ami combattre la Vos? Chrono, allez voir endroit où la Vos s'écrasait. Genova, ouais, je te jure. Si nous le laissons tranquille, il grandira donc sous la terre. Si nous voulons faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Pas bonne idée d'aller voir la Vos. Bien, mesdames et messieurs, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. On ira voir le gros la Vos la prochaine fois, soit dimanche. Demain, pas de live, comme c'est le cas. Toujours le samedi. 20h par contre pour dimanche. Très bonne soirée, très bonne nuit. Et très bon week-end à toutes et à tous. Ciao. Bye bye.